La coalition Fils du Tchad a présenté hier le bilan de ses activités et son plan d'action pour l'année 2020. C'était en présence du ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Dewa-Kassiri-Koumakoy. Clôture hier à Bangor, dans le Mayo-Kébi-Est, des assises du 9e congrès électif de l'Union des journalistes tchadiens, UJT. L'élection du nouveau bureau de l'UJT a sanctionné les travaux. Installation des membres du mouvement patriotique du salut par le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mahamat Zenbada Massakouri, dans le Hadjalamissa. Les membres du secrétariat provincial sont composés d'une équipe de 26 avec à leur tête Abakar Moussa Kali. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad, l'invité du journal de ce dimanche 19 janvier 2020. Et monsieur Mahamat Alifa Moussa, directeur général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Nous nous entretiendrons ce soir sur l'inauguration à Sarre, dans le Moyen Chari, du nouveau forage de production en eau de la société tchadienne d'eau. Mais bien avant de revenir à vous, place à l'actualité. La coalition Fils du Tchad a présenté hier son bilan de l'année 2019, son message de vœux et également son plan d'action pour l'année 2020. Une cérémonie qui a vu la présence du ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Dewa-Kassiri-Koumakoy. Reportage Yarcho Abani. Une nouvelle année, un nouvel engagement. La coalition Fils du Tchad marque un arrêt pour évaluer les actions de l'année 2019 et présenter son plan d'action 2020. Un plan orienté vers la construction d'une nation forte et prospère. La coalition Fils du Tchad est une organisation de la société civile dont la mission principale est la promotion du bien-être du peuple tchadien, la conservation des acquis nationaux et le développement socio-économique de notre cher pays. Asil Arraj Ahmad, représentant le maire de la ville d'Ndjamena, se félicite de la tenue de cette rencontre. La société civile constitue une valeur fondamentale de l'édification d'une nation parce qu'elle représente la neutralité, le juste équilibre entre la politique et le gouvernement. Le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Dewa-Kassiri, salue cette initiative tout en rassurant la disponibilité du gouvernement auprès de ces associations. Je salue cette convergence des points de vue en matière de la participation de la société civile dans les actions du gouvernement afin d'assurer le plein essor à notre avenir. L'enjeu immédiat est donc de créer suffisamment d'opportunités de manière à réduire la pauvreté tout en demeurant fortement le taux de chômage des jeunes. Quelques attestations de reconnaissance ont été officiellement remises au ministre d'État et quelques associations. Tombé des rideaux hier à Bangor, des assises du 9e congrès électif de l'Union des journalistes tchadiens UJT. L'élection d'un nouveau bureau de l'UJT a sanctionné les assises. C'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a clos les travaux de cette assemblée générale. Ganda Tao Amia. Juste après la mise en place du présidium dirigé par l'Aldim Narcisse, s'en est suivi la présentation du bilan moral par le président sortant de l'UJT, Belngar Larmé Laguerre, et le bilan financier par le trésorier. Bilan apprécié à leur juste valeur par les congressistes avec des amendements, des suggestions et recommandations pour la redynamisation de l'UJT. Trois des quatre thèmes retenus, à savoir l'union sacrée autour du métier, l'éthique et la déontologie du journalisme, le journaliste face à l'enjeu du terrorisme et à la violation des droits humains, et le principal thème, les journalistes face aux défis de la profession, ont été animés par d'anciens journalistes Lauron Gondier, Célestin Topona et Laoukoura Sangdoudina.
Ces thèmes, enrichis par des débats contradictoires et des compléments, ont tous visé à appeler les journalistes au professionnalisme, au respect de l'éthique et de la déontologie, et à éviter certains comportements qui ternissent l'image de ce noble métier. Les textes de base toilettés, le Présidium a cédé la place au bureau de vote qui a reçu la démission de l'ancien bureau. L'enjeu réel était au poste de présidence qui a enregistré deux candidatures, Abbas Mahamoud Tahir et Mian Dadji Eloua. Après présentation de leur profession de foi, Abbas Mahamoud Tahir remporte à l'issue du vote au bulletin secret par 63 voix des 82 votants contre 19. Il devient le 9e président de l'UJT chargé de défendre la profession, les intérêts moraux et matériels des membres de l'UJT, mettre en musique les pertinentes résolutions et recommandations du 9e congrès ordinaire électif de l'UJT et œuvrer pour assainir le métier. Au poste de vice-présidence, l'unique candidat, Abba André, passe comme lettre à la poste. Il en est de même de la trésorerie générale et adjointe désormais tenue par Halime Larbaï et Souleymane Abdelkerim, du secrétaire général et de son adjoint, le Noudi Nathan et Dumé Wiché. Ali Haraka, Miandadji Eloua et Abdelaziz sont nommés conseillers. Remerciant tous les journalistes pour le choix porté sur lui, le nouveau président de l'UJT, Abbas Mahamoud Tahir, invite ses consoeurs et confrères à regarder désormais dans la même direction pour une union sacrée et une solidarité sans faille autour du métier. Avant de clore définitivement les travaux du 9e congrès ordinaire électif de l'UJT, des motions de recommandation, des résolutions ont été présentées avec une motion spéciale de recommandation au chef de l'État pour ratifier la convention de Florence, d'instruire pour le versement sans délai de la somme de 100 millions promise à l'UJT depuis 2015 et le remercie pour son attention particulière portée à l'endroit de l'UJT. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, qui n'a voulu pour rien au monde rater cette grande messe de l'UJT, ultime en son genre, a signifié que un congrès n'est pas une simple formalité, mais un engagement moral et professionnel de toute la presse nationale. Le nouveau bureau a cette lourde charge de conduire l'UJT vers une excellence du métier des journalistes au Tchad, conclut le ministre Oumar Yahya Hissène. Mettant un terme aux travaux du 9e congrès électif de l'UJT, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Hissène, s'est félicité de la réussite de ces conclaves et a invité le nouveau bureau à se mettre au travail pour insuffler une nouvelle dynamique au métier du journalisme. Suivez. La tenue d'un congrès, et plus spécifiquement celui qui s'agit cet après-midi, n'est pas une simple formalité. Bien au contraire, il constitue un engagement moral et professionnel de toute la presse nationale à mobiliser les ressources nécessaires disponibles en vue de permettre à cette organisation fêtière et l'UJT de se positionner sur la trajectoire de la modernité et de l'excellence. Très progressiste. Une nouvelle ère commence pour l'Union des journalistes tchadiens dans la constante des textes de base révisités, certes, mais aussi dans la redéfinition des stratégies développées en vue de parvenir aux objectifs tracés par le Congrès historique de Bangui. Les recommandations et résolutions prises au cours de vos assises, ainsi que les options de base qui viennent d'être clarifiées, traduisent votre volonté commune et votre souci constant de maintenir le cap et de gérer tous les bénéfices que vous confère la liberté d'expression. La ville de Sarre dispose désormais de son propre forage de production en eau. Le dit forage a été inauguré par le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Jamaladine Mahamat Ibrahim. Film en couleur avec notre envoyé spécial, Angal Toklok. De l'eau potable conforme aux normes de l'OMS, enfin disponible pour la population de la ville de Sarre. La société tchadienne des eaux Est-E inaugure un nouveau forage de production en eau à haut débit. D'une grande capacité, ce forage est le premier d'une série de trois qui desservira les châteaux que compte la ville de Sarre
et ses environs. L'événement a drainé le département de l'environnement, de l'eau et de la pêche, les députés de la province du Moyen-Chari, les représentants des partis politiques et la société civile. Moment tout indiqué pour les autorités de la ville de Sarre de saluer l'acte. Selon elle, l'effectivité de cet ouvrage hydraulique met fin à des années de consommation d'eau avec une forte ténère en fer. Je voudrais exprimer toute ma joie et ma reconnaissance au gouvernement et particulièrement au ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et les encourager à continuer à appuyer le secteur de l'eau. J'ai saisi cette opportunité pour remercier à travers le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui a toujours inscrit sa priorité de mettre à la disposition de sa population de l'eau potable. Pour le député de la province Roma Dingar Félix, ce nouveau forage apportera de solutions à la consommation d'eau souhaitée par la population sarroise, que si et seulement si la STE renouvelle les canaux de transfert de l'eau existants depuis les années 1970. Le secrétaire général 3e adjoint, porte-parole du mouvement patriotique du salut, maître Jean-Bernard Padaré, affirme que ce forage d'eau potable est la concrétisation de l'engagement du chef de l'État, Idriss Déby Itno, à mettre à la disposition de la population tchadienne de l'eau saine, la STE au service de la population depuis plusieurs décennies, continuera à améliorer la qualité de ses services pour le bien-être de la population, a laissé entendre la directrice générale de la STE. À cet effet, permettez-moi de vous annoncer que ce projet est financé entièrement sur fonds propres de la STE et aucun partenaire n'a été associé à sa réalisation. C'est l'occasion à cet effet de remercier l'ensemble du personnel de la STE qui n'a ménagé aucun effort pour faire aujourd'hui de ce projet une réalité pour la ville de Sarre. À la suite, une vaste opération de lavage, rinçage et de vidange de conduite sera enclenchée pour évacuer les dépôts des matières ferrugineuses afin de pouvoir distribuer cette nouvelle eau potable. Koubra Hissen Idno lance également un appel à l'endroit des ex-abonnés de la STE à venir renouveler leurs abonnements. Ça sera un engagement pour la STE à œuvrer davantage, dit-elle. Heureuse de recevoir en ce jour ce forage, la population de la ville de Sarre remet au couple présidentiel et à la STE des présents pour leurs efforts visant le bien-être de la population. Je le disais à l'entame de ce journal, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Alifa, Mohamed Alifa Moussa, directeur général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. Il y a quelques jours, le ministère de l'Environnement vient à inaugurer à Sarre, comme nous venons de le voir, un nouveau forage de production en eau de la société tchadienne d'eau. Dites-nous, comment est-on arrivé à ce résultat? Je voudrais tout d'abord rappeler que la qualité de l'eau distribuée par la Société tchadienne des eaux à Sarre posait des problèmes depuis plusieurs décennies, et précisément depuis 1968, parce que l'eau contient de l'oxyde de fer et du manganèse dissous dans l'eau. Et la teneur très élevée de ces deux matériaux font en sorte que la saveur change, l'odeur également, et la couleur de ce précieux liquide est très inquiétante. Et c'est aussi par rapport à ça que, préoccupé par cette question de santé publique, Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef de gouvernement, toujours soucié de la santé et le bien-être de la population tchadienne, a instruit la direction générale de la Société tchadienne des eaux, qui est un organisme sous tutelle du ministère de l'Environnement, à chercher les voies et moyens pour solutionner la question de l'eau, qui est une question de santé publique. Il nous a instruit, le chef de l'État nous a instruit, de trouver de l'eau de qualité pour la ville de Sarre, mais également en quantité suffisante. C'était effectivement l'influx qui nous a amené à chercher, à faire des recherches, des prospections,
Et ça nous a permis de réaliser ce forage qui aujourd'hui a donné le résultat que vous avez constaté tout à l'heure. Une nouvelle source d'eau est découverte, mais qu'est-ce qui garantit que l'ancienne nappe ne va pas refaire surface? Et si cela devait arriver, quelles sont les dispositions prises pour que la population puisse consommer de l'eau répondant aux normes? Les deux nappes captées sont très différentes, parce que les premières nappes qui ont été captées sont à une profondeur de 105, 115 et respectivement 120 mètres. Nous avons cherché de l'eau plus profondément pour effectivement trouver de l'eau qui n'est pas contaminée. Et aujourd'hui, en cherchant de l'eau plus profondément, on traverse beaucoup de faciès et donc des coupes géologiques différentes. Et c'est ce qui a fait en sorte que en enlevant de l'eau, on se retrouve avec des métaux qui sont lessivés pendant tout le passage. Aujourd'hui, nous avons changé de stratégie. Au lieu d'aller à 120 mètres, nous avons cherché une nappe moyenne qui est à 50 mètres. Et donc, les deux nappes ne sont pas communicantes et nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'effectivement, les métaux qui ont été captés à 150, à 130 mètres ne peuvent pas contaminer la nappe qui est à 50 mètres. Cette nappe de 50 mètres a un taux de fer qui est moins. C'est de 0,07 mg par litre par rapport à une norme qui s'arrête à 0,3 mg par litre. Nous sommes 4 fois en dessous de la norme normale et ce qui est vraiment encourageant et c'est à d'autres honneurs. Par contre, l'eau qui est consommée au départ est à une teneur de 3,97 mètres et c'est 13,23 fois supérieur à la normale. C'est ce qui nous a inquiétés effectivement, qui nous a amené à trouver les voies et moyens pour qu'effectivement ce forage nouvellement réalisé puisse effectivement permettre à la population d'avoir de l'eau de bonne qualité et en quantité suffisante. Justement, parlant de forage, la STU a prévu de faire 3 forages pour desservir toute la ville de Sarre. Présentement, un seul est opérationnel. À quand les deux autres? Le travail qui a été fait, c'est un travail pilote. Nous avons fait un forage de reconnaissance qui nous a permis de faire un forage à grand diamètre et dans le site, même dans le terrain même de la STE de Sarre. Aujourd'hui, les résultats sont concluants et cette expérience, nous allons le dupliquer sur 3 autres sites et ça nous permettra d'avoir au moins quatre forages pour la ville de Sarre pour couvrir l'ensemble des besoins et ceci à l'horizon 2030. Je rappelle que la ville de Sarre compte à peu près 120 000 habitants aujourd'hui. Et nous pensons que desservir cette ville, il faut faire une projection qui va jusqu'en 2030. Et c'est dans cette optique que nous allons multiplier le nombre de forages et faire en sorte qu'il y ait également des travaux supplémentaires pour garantir la qualité de l'eau en permanence. Après la découverte de la bonne source d'eau à Sarre, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est d'abord le rinçage de toutes les canalisations anciennes qui existent. Nous allons voir ce qui est récupérable et remplacer les canalisations qui sont vétustes et qui sont prohibées, surtout en amiante ciment. Faire en sorte également de nettoyer les réservoirs qui sont les châteaux et également réfléchir sur un nouveau château de 2000 mètres cubes supplémentaires. Et pour cela, il y a des fonds qui sont déjà identifiés. Nous avons un financement des Émirats Arabes Unis qui est disponible et qui sera orienté en partie pour résoudre ce problème. Et nous allons également renouveler les dispositifs de traitement d'eau dans la ville de Sarre. Et nous allons également mettre en place des dispositifs nouveaux devant améliorer la qualité des dessertes, surtout vers les quartiers périphériques. Parce que la ville de Sarre gagne en extension. Et il va falloir effectivement donner de l'eau aux plus éloignés de la ville également. Donc nous avons une ambition de qualité, mais également de quantité et de servir des temps en temps réel et minimiser le temps de coupure d'eau. Mais au Tchad, ce n'est pas seulement la ville de Sarre qui souffre de problèmes d'eau. D'autres villes également sont concernées par ce problème. Quelle politique le ministère a-t-il mis en place pour que la population puisse avoir un accès à l'eau et surtout une bonne eau? Vous avez parfaitement raison.
Nous ne sommes pas arrivés, malgré la volonté du chef de l'État et nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent depuis un certain temps, nous n'avons pas atteint le taux d'accès à l'eau potable à 100%. Nous sommes seulement à 62% de taux d'accès à l'eau. Et la tâche est immense. Le territoire est également immense. Et il doit certainement exister des poches non desservies pour lesquelles le département n'a pas perdu de vue. Et dans cette optique, le gouvernement a déjà mis en place des plans d'investissement régionaux qui relatent les besoins en eau des différentes contrées du Tchad. Nous envisageons dans les jours à venir, et conformément au plan national de développement, donner de l'eau pour les villages de 1200 habitants, réaliser des forages, des châteaux d'eau à détail moyen, faire des forages équipés de pompes à motricité humaine pour les villages de plus de 400 habitants et réaliser des adductions d'eau urbaines pour les grands centres. Et tout ceci en respectant effectivement le critère démographique, les critères de non-existence de points d'eau et effectivement faire en sorte également l'accès à l'eau est un droit universel, faire en sorte que même les gens les plus éloignés, même dans les zones de socle, puissent bénéficier de cette denrée qui est source de vie. Monsieur le directeur général, avez-vous un message de fin? Le message par rapport aux efforts que l'État est en train de faire, nous demandons à ce que la population puisse s'approprier l'ensemble des ouvrages que nous mettons à la disposition de la population. Et là où la Société tchadienne des eaux est présente, dans les plus de 20 villes, il faut qu'effectivement la population puisse s'acquitter de leurs redevances de manière à permettre à notre société effectivement de faire beaucoup plus comme elle l'a fait à Sarre, effectivement investir pour mettre à la disposition de la population de l'eau de qualité et en quantité suffisante. Monsieur le directeur général, merci beaucoup. Merci, c'est à nous de vous remercier pour le travail que vous faites. Merci. Pour rappel, nous venons de recevoir sur ce plateau M. Mahamat Alifa Moussa, directeur général du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche. À l'inspiration de l'état d'urgence dans la province de Sylla, la coordination chargée du suivi des activités a organisé une cérémonie, une opportunité pour elle de louer les efforts consentis qui ont permis d'obtenir des résultats probants. Ben Arabi Abdelrazak. En juillet et août 2019, un conflit intercommunautaire s'écoule au Dar-Sylla. Le président de la République a fait le déplacement de Gousbeïda, un état d'urgence dont l'ultime objectif est de ramener la paix et la tranquillité a été instauré alors dans le Sylla et des autres provinces. À l'expiration de l'état d'urgence, une mini-cérémonie a lieu à la coordination de Sylla. Occasion pour le commandant de la zone de défense numéro 2 et coordonnateur de l'état d'urgence, le général Mama Souleymane, de louer les efforts fournis par les forces de défense et de sécurité. Pour le gouverneur Kédela Younis Hamidi, le ramassage d'armes continuera à l'effet de pacifier le Sylla. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, n'acceptant pas, ne supportant pas, ne tolérant pas que des individus mal intentionnés font couler inutilement le sang des Tchadiens sur le sol tchadien, a décidé de venir lui-même ici à Gousbeïda. Après avoir présenté ses condoléances aux familles éprouvées, après les avoir rassurés qu'ils partagent leurs peines, leurs souffrances, leurs chagrins et leurs douleurs, il a rassuré toute la population Sylla qu'il prendrait des mesures pour que de telles situations ne se reproduisent pas, ne se reproduit plus, ne se reproduit jamais. Des stratégies et dispositions seront prises pour le retrait définitif des armes détenues illégalement par des civils, indique Kédela Younis Hamidi. Sous la présidence du gouverneur de la province du Mondo, Lucie Béasemda, les femmes et les jeunes ont organisé une cérémonie festive pour soutenir toutes les actions du chef de l'État Idrissa Déby Itno en faveur de la population. Un reportage signé Mélom Grazila.
Dans son traditionnel message à la nation tchadienne le 31 décembre dernier, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est appesanti longuement sur la situation des jeunes et des femmes. C'est dans cette optique que les femmes et les jeunes de la province du Mandoul ont tenu à exprimer de vive voix leur soutien au président de la République à travers cette manifestation. Tour à tour, les femmes et les jeunes du Mandoul se sont relayés pour remercier le chef de l'État et faire des plaidoyers pour leur épanouissement. Très ému pour cette reconnaissance, le gouverneur de la province du Mandoul a tout d'abord indiqué qu'elle transmettrait fidèlement toutes ses doléances à qui de droit avant d'appeler les autorités locales, les jeunes et les femmes du Mandoul à travailler main dans la main pour le développement de cette province. J'exhorte à présent les délégués provinciaux des départements ministériels, les partenaires publics et privés pour une synergie d'action afin de traduire dans les faits les vœux du chef de l'État. L'heure n'est plus à la paresse, mais au travail. Enterrer l'exode rural. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la nature nous a tout donné dans la province du Mandoul. L'autre temps fort de cette cérémonie est la remise d'un don composé de chaises au siège provincial du mouvement patriotique du salut du Mandoul par Madame le gouverneur de la dite province. Installation aujourd'hui même du bureau du secrétariat général du conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Hadjer Lamiss. Mahamad Zen Bada, secrétaire général de cette formation politique, a installé une équipe composée de 26 membres avec à leur tête Abakar Moussa Kale. Reportage Mahamad Seyd Abakar. La ville de Massagori aux couleurs du mouvement patriotique du salut MPS. Des membres du bureau politique national, c'est du conseil national du salut et du secrétariat provincial, départemental et communal, et bien d'autres militants, ainsi que ces deux partis alliés au MPS, se sont fortement mobilisés à cet événement marquant la restructuration des organes de base du parti. Une cérémonie présidée par le secrétaire général du MPS, Mohamed Zen Bada. D'entrée de jeu, le président du comité d'organisation a remercié ses hôtes pour le déplacement et s'est dit honoré. J'ai l'insigne honneur et le grand plaisir de vous informer de la présence parmi nous du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, le camarade Mohamed Zen Bada. Comme vous le savez, autant que moi, c'est sa toute première sortie après sa brillante reconduction à la direction de notre parti à l'issue du dernier congrès de notre parti. Le chef de mission de la restructuration du bureau provincial de Hadjer Lamiss se félicite du consensus dans la désignation des membres du bureau. Je voudrais du haut de cette tribune remercier et féliciter l'ensemble des militants et militantes de Hadjer Lamiss pour l'esprit de consensus qui a prévalu dans le choix des camarades. Qu'il me soit permis d'adresser toute notre gratitude aux différents chefs de mission dépêchés dans les quatre départements pour le travail formidable abattu malgré le manque de moyens. Quant au chef de mission de précurseur, par ailleurs président du RGMPS, la détermination et la mobilisation des militants du MPS et ceux du parti allié de cette province rassurent. Vous êtes cette catégorie de militants qui a de l'audace à laquelle, si bien allusion le président fondateur, porteur du rêve d'un cadre émergent à l'horizon 2030, il ne faut pas s'interdire de rêver certes. Mais le rêve ne pourrait devenir réalité qu'à condition que vos camarades que vous représentez regardent dans la même direction que vous et ne soient pas exclus des opportunités qui s'offrent à votre chère province. Après plusieurs semaines de concertation, une équipe de 26 membres a été désignée avec à sa tête Abakar Moussa Kale, reconduit à son poste du secrétaire général du conseil provincial du MPS. Réconforté par cette marque de confiance des militants pour la quatrième fois consécutive, le secrétaire général du conseil provincial promet une éclatante victoire aux futures échéances électorales. Je prends devant vous l'engagement et rassurer le premier responsable de notre parti
que le MPS remportera les élections et ne leur présentons nos résultats. L'action voilà la chandelle. Je vous invite, chers camarades, au travail et au travail. Installant officiellement le nouveau bureau, le secrétaire général du MPS, Mohamed Zine Bada, a lancé un message fort à ses camarades du MPS et ceux des partis alliés. Le leader politique a exhorté ses camarades de Hadjar Lamiss à plus de mobilisation face aux défis liés aux élections législatives et communales qui pointent à l'horizon. Le MPS et ses alliés doivent travailler en synergie, comme l'a laissé entendre Mohamed Zine Bada. En reconnaissance aux multiples efforts consentis en faveur du parti, le secrétaire général du conseil provincial de Hadjar Lamiss a remis un cadeau symbolique au secrétaire général du MPS. Pour marquer d'une empreinte indélébile cet événement politique et exprimer toute la reconnaissance à la hiérarchie politique et aux militants de son parti, le secrétaire général du conseil provincial du MPS a offert un banquet. Un véritable moment de convivialité et de partage qui a permis aux militants et militantes du parti de resserrer davantage les rangs pour le triomphe des idéaux du parti. En installant officiellement les membres du bureau du conseil provincial de Hadjar Lamiss, le secrétaire général du MPS, Mohamed Zine Bada, a lancé un message fort à ses camarades. Le leader politique a exhorté les militants du parti à plus de mobilisation face aux défis des élections à venir. Suivez. C'est un conseil provincial. Vous allez mener la bataille. La première bataille électorale, c'est les élections législatives. Nous aurons les élections législatives en 2020. Il y a eu un chronogramme qui a été présenté il y a quelques jours. Les partis politiques que nous sommes, opposition et majorité confondues, nous avons trouvé qu'aller aux élections pendant la saison pluvieuse serait hasardeux. Et la CENI et le CNDP sont chargés de nous retrouver, de nous trouver un bon moment. Et je crois que nous allons le faire d'ici la fin de 2020. Ça veut dire qu'il nous reste moins de 7 mois. Moins de 7 mois. Parce qu'il y a des délais incompressibles. Et que dès demain, vous allez commencer par installer vos cellules départementales. Les cellules départementales vont installer les cellules communales. Tout cela devrait se faire avant 2 mois. Tenez-vous bien. Après cela, nous risquons, je dis bien, nous risquons de commencer le calendrier par la révision de la liste électorale. C'est la première opération. Tous ceux qui ont eu 18 ans depuis 2015 doivent être recensés. Et ça, c'est votre responsabilité que de faire recenser nos militants. Je vois là le drapeau du RDP. J'ai vu à côté aussi le drapeau des MPDT. Et j'ai vu peut-être quelques autres drapeaux qui sont les drapeaux ou les symboles de nos alliés. Vous êtes dans la même ligne que nous. Le MPS est le chef de la majorité. Vous devrez être dans la même ligne, faire le même travail, accepter les mêmes conditions si on doit rester dans l'alliance. Chacun d'entre nous doit apporter sa pierre pour que la révision de la liste électorale soit quelque chose de réussi. Si vous ratez la première opération, qui est la révision, l'enrôlement de l'ensemble de ceux qui ont 18 ans, vous allez rater les élections. Si vous ne connaissez pas le nombre de vos électeurs, vous ne pourrez pas bâtir une stratégie. Si vous ne connaissez pas le nombre de vos électeurs, parce que le code électoral dit un bureau de vote doit avoir au plus 400 inscrits, 400 votants. Alors, en connaissant cela, par rapport au nombre de vos inscrits, vous devrez commencer par préparer vos camarades qui doivent être les délégués et autres pour les élections. Ça veut dire que vous allez faire votre propre cartographie électorale. Nous commençons par Dagana, nous commençons par la Hadjar Lamiss. C'est un message que je lance à l'ensemble des militants. Il se peut que d'ici le début de l'opération, le secrétariat général ne puisse pas arriver dans toutes les provinces. Cela doit servir d'exemple et de mot d'ordre pour tous nos militants. Il y a
des conditions pour aller aux élections. Entre autres, la paix. Dans le Hadjarlemis, il y a la paix. Et puisqu'il y a la paix, ça ne veut pas dire que nous devrons dormir. Il faut cultiver le maintien de la paix. Toujours dans la province de Hadjarlemis, à Guité, précisément, des pirogues ont été remises à une initiative de la Fondation Bill et Melinda Gates et la Fondation Aliko Dangote de concert avec le ministère de la Santé publique. L'objectif est de renforcer les capacités des services de santé provinciaux en vue de relever les défis de la vaccination. Noko Barkay. La population de la sous-préfecture de Guité et bien d'autres localités de la province de Hadjarlemis et du lac bénéficient de la largesse de la fondation Bill et Melinda Gates et la fondation Aliko Dangote. Au total, 42 pirogues ont été remises aux autorités sanitaires. Ceci traduit la volonté du consortium à accompagner le gouvernement tchadien pour relever le défi de la vaccination. C'est le 27 mai 2019. Que le gouvernement a signé avec les fondations Bill et Melinda Gates et Aliko Dangote une convention de financement dans le cadre du renforcement et de l'amélioration de la vaccination de routine dans les provinces du bassin du lac Tchad. Pour rappel, le montant de la convention signée est de 4,35 milliards de francs CFA avec un cofinancement du gouvernement tchadien de 1,8 milliard de francs, soit environ 42,42%. Ayo Deji Ibrahim, représentant de la fondation Aliko Dangote, indique que le consortium entend mettre les bouchées doubles pour accompagner l'État tchadien dans cet élan. Pour le délégué sanitaire provincial de Hadjarlemis et bénéficiaire de ses moyens logistiques, Omgram Koutela, ces pirogues renforceront leurs performances et permettront d'atteindre les populations vivant dans les îles. Car, dit-il, il est difficile d'accéder à ces endroits faute de moyens. Pour rappel, selon le ministère de la Santé publique, 20% des enfants sont vaccinés au Tchad. La coordination des organisations, des associations de la société civile pour le soutien du Forum national inclusif Causafonie intensifie ses rencontres de concertation de haut niveau et populaire sur la mise en œuvre de la 4e République. Les communes du 8e arrondissement et du 10e constituent la troisième étape de cette tournée. Varila Djé. En première ligne de cette concertation de haut niveau et populaire sur la mise en œuvre des acquis de la 4e République, les responsables administratifs de la commune du 10e arrondissement, la coordination des organisations de la société civile pour le soutien du Forum national inclusif a au cours des échanges formulé des questions telles que le degré de réalisation dans le domaine socio-économique en faveur de cette circonscription. Une préoccupation bien perçue par le maire Mamatom Nouéré. On est en train de préparer nos projets parce qu'on a changé dans une autre phase. La phase, c'est quoi? C'est la 4e République. On passe point par point pour le développement de notre commune. Le périple s'intensifie dans la commune du 8e arrondissement où le maire de cette commune, Fatime Ahmad Abdoulaye, a réuni autour d'elle les représentants de la société civile et les femmes membres des organisations féminines. Au menu de discussion, l'impact des résolutions du Forum national inclusif. La 4e République est un moment de fierté et jouissance collective que le Tchad a besoin de voir ses filles et fils prendre à bras le corps, le développement socio-économique du pays. Le coordonnateur national de la coordination des organisations des associations de la société civile, Moubarak Ibrahim Djaware, se réjouit de la mobilisation des populations de ces différentes communes aux assises, car, dit-il, elles illustrent leur volonté à la cause du pays. Le but de la rencontre est de recenser les avis de la population sur la marche de cette nouvelle constitution qui découle des résolutions du Forum national inclusif. L'atelier de validation de 100 filles et adolescentes a baptisé Super Banata pour appuyer la prévention contre le VIH et faire la promotion de la santé sexuelle et reproductive en milieu communautaire s'est clos hier soir à la Maison de la Culture à Baba Mustapha. 4 arrondissements sont ciblés par cette formation, à savoir le 3e, le 7e, le 8e et le 9e arrondissement. Luc Azina Danjaye.
Une semaine durant, ces filles et adolescentes y compris entre 10 à 24 ans ont été outillées à la pré-éducation pour appuyer la prévention du VIH et la promotion de la santé sexuelle et reproductive en milieu communautaire. Récipiendaires de cette formation, vous êtes des filles modèles. Et quand on est modèle, on est un miroir, on est un repère, on a une référence. En remerciant les partenaires, le coordonnateur du réseau des maisons des quartiers et des jeunes, Abdelkader Amin Mahamat, a exhorté les super banates qu'elles effectueront désormais leur mission dans le seul but d'impacter la population par leur comportement. Saisissant cette occasion, les super banates ont remercié les organisateurs pour ce programme conçu pour le bien-être de la population d'une part et spécifiquement pour la jeunesse d'autre part, tenant compte des tabous entourant les questions de santé sexuelle et reproductive. Le programme Super Banat, appuyé techniquement et financièrement par l'UNICEF, a vu également la participation et l'engagement des 9 artistes musiciens et comédiens en appui à la santé de reproduction. Dans son allocution, le représentant de l'UNICEF a rassuré les super banates qu'un autre volet de programme verra le jour dans le but d'appuyer la politique d'accès aux services de santé, de prévention, de dépistage volontaire et de prise en charge du VIH-SIDA chez les adolescentes de 10 à 24 ans. Les participantes ont reçu des attestations. Elles s'attelleront à mener des dialogues communautaires dans leur communauté afin d'induire des changements de comportement à travers la prévention du VIH et la promotion de la santé sexuelle, y compris la lutte contre le mariage des enfants et les violences basées sur le genre dans les 4 communes de la ville de N'Djamena. L'association féminine pour l'émergence de la renaissance du Tchad, AFERT, a lancé hier ses activités. L'AFERT est une association qui entend apporter sa contribution pour le bien-être de la gente féminine. Je ne vous en dis pas plus. Suivez plutôt les propos de la présidente de la dite association, Fatimatou Amadou Batour. L'objectif de notre association, l'association féminine pour l'émergence et la renaissance du Tchad, en abrégé AFERT, est de promouvoir la solidarité entre les membres, entretenir des relations avec les associations sœurs, promouvoir la promotion de la jeunesse de la femme et de la culture de la paix, de la tolérance, lutter contre l'analphabétisme féminin et encourager la scolarisation de la petite fille. En milieu urbain et rural, vulgariser les informations et la sensibilisation sur les droits et devoirs des citoyens sur la projet, l'équité, la parité et la discrimination du genre. Encourager la recherche de solutions à la problématique du genre, à la participation de la femme au développement, à savoir l'intégration de la femme au développement IFD, l'objectif atteindre femmes et développement FED, et genre et développement GED. Encourager l'éducation de la femme à la vie familiale en matière de la population, par exemple, le planning familial, le mariage précoce, le mariage des enfants, l'excision, lutter contre les 4 taux, à savoir la grossesse trop tôt, trop tard, très rapprochée et trop nombreuse. Soutenir les actions gouvernementales allant dans le sens du bien-être de la population et de l'émergence du Tchad. Lutter contre le VIH-Sida, le cancer, la fistule, la tuberculose, le paludisme et la malnutrition. Il vous arrive peut-être de faire ce constat, les voies bitumées, en tout cas la plupart d'entre elles, sont envahies de sable. Le sujet a retenu l'attention de la rédaction de la télévision nationale qui a dépêché une équipe sur le terrain. Farila Dieh nous en parle. L'État construit des voies publiques, mais les entretiens posent problème. Quelques grandes artères de la capitale sont envahies par le sable. Un tour dans quelques communes d'arrondissement nous permet de se rendre à l'évidence. Pas de commentaires, car les images parlent d'elles-mêmes. Le constat est réel. Nos routes sont très sableuses. Regardez les sables. Des fois, il arrive des fois qu'on fait des faux pas, on tombe avec nos motos. On ramasse les usagers qui marchent à pied. Et il y a la poussière qui est là. Et cette poussière aussi est en train de nous rendre malades.
plus généralement avec la poussière, il y a le rhume, il y a la toux, tout ça. Donc on peut nettoyer, vraiment il y a des femmes qui sont là censées nettoyer les routes, mais on ne les voit pas, elles sont disparues ou on ne connaît pas. Sur ces voies bitumées, le constat est perceptible. Les cadavres des animaux, les ordures jonchent partout. Faute d'entretien, même les herbes et quelques plants poussent comme des champions dans une forêt. Une situation qui taraude les esprits des citoyens. Généralement, la route n'est pas concrètement aménagée par nos autorités de la mairie. Il faut un défi, puisqu'on est déjà en 2020, il faut que les autorités de la mairie essayent de faire leur travail. Il faut que les maires qui sont là peuvent aussi sortir comme ça, faire des tours comme ça. Ils ne sont pas seulement les maires au bureau. Le maire peut aussi sortir voir, faire le constat de ce qui se passe. Les pouvoirs publics dans leur politique d'assainissement entendent donner une autre image à la capitale, celle de faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique centrale. Cependant, les différentes parties doivent mutualiser leurs efforts pour la concrétisation de cette politique gouvernementale. Religion, le village Takiré, une localité située à 37 km de Biltine, dispose désormais d'une mosquée, une initiative d'un bienfaiteur en l'honneur de son défunt père, Mahamat Saleh Anour. Situé à environ 37 km, le village Taziré dispose désormais de cette mosquée de prière de vendredi. Instituée en 1965, la dite mosquée est reconstruite par les fils du défunt Ahmad Sanoussi Wadak afin qu'elle soit une charité contenue en mémoire de leur père. La cérémonie d'inauguration officielle a vu la présence de plusieurs fidèles venus de différents villages, à leur tête le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahma. La toute première prière de vendredi à cette mosquée de Taziré est dirigée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Shira, Aliou Mohamed Abdel Wahid. Ce dernier a dans son sermon laissé entendre que construire une mosquée est une œuvre de charité continue qui nécessite beaucoup d'efforts. Il demande en outre aux fidèles musulmans dans les différents villages à fréquenter et à animer la mosquée avec les prières et les séances islamiques. Le préfet du département de Biltine, Mohamed Ali Rahman, félicite les fils du fait Ahmad Sanoussi Wadak d'avoir réalisé le vœu ardent de leur père. Il invite le fidèle musulman à prendre en main la gestion et l'entretien de cet édifice de l'islam. Une équipe de 6 personnes est mise sur pied pour assurer la gestion de la mosquée. Que faut-il faire pour que le football tchadien, qui éprouve d'énormes difficultés, change de visage? Pourra-t-on y parvenir? Ces questions ont été posées au directeur général du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi dans le cadre du dossier de la télé Tchad. Yann Mouibé. Au ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, on est conscient que le gouvernement a mis le paquet pour élever le niveau du football tchadien. Mais dans le football, les moyens seuls ne suffisent pas. Et dans le cas du Tchad, on est encore loin du compte. Nous n'avons pas un championnat, un long championnat, avec des matchs aller-retour, que ce soit au niveau local, au niveau provincial, zonal et national. Et quand vous n'avez pas un championnat digne de son nom, ça peut expliquer grandement aussi la contre-performance donc de nos équipes aux compétitions, parce qu'ils sont confrontés à des gens beaucoup plus aguerris, plus expérimentés qu'eux. Et lors des confrontations, nous battons souvent de l'aile. Mais depuis quelque temps, les idées émergent pour que le football tchadien change de visage, indique le directeur général du ministère des Sports. La CAN 2021, le ministère en charge du sport, la Fédération nationale de football, ainsi que le staff technique, nous avons mis en place un plan de préparation. Et ce plan de préparation a consisté donc à faire descendre sur le terrain l'entraîneur national avec son staff pour aller dans les provinces clés et commencer donc à faire des détections à la fois pour les U15, à la fois pour les U17. Et aussi, ils ont assisté donc à des matchs de championnat dans les provinces pour essayer donc de détecter ceux qui viendront renforcer le statut de l'équipe nationale.
Mais pour parvenir à révolutionner les choses, il est impératif que le ministère des Sports et la Fédération tchadienne de football soient sur la même longueur d'onde. À présent que la volonté y est, reste à savoir à quelle vitesse évolueront les choses pour que le football tchadien rattrape son considérable retard. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé-Tchad.